Salut à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du repiquage de mes semis. Donc, la première chose, c'est déjà de nettoyer ces pots si vous recyclez. Donc, je vais vous faire voir la technique que moi j'utilise. Donc, là, c'est mes pots de l'année dernière que j'avais empilés. Donc, je les sépare pour faire un pré-lavage pour enlever le plus gros des saletés. Ensuite, j'ai préparé, donc j'ai un gros bac plastique là dans lequel je vais faire tremper tous mes pots avec du vinaigre blanc. Donc, je remplis le bac donc en même temps que le remplissage, je mets tous mes pots dedans pour mettre juste le niveau d'eau et pas remplir le bac à fond, parce que bon, l'eau est précieuse et moins on en utilise et mieux c'est. Donc là, je mets le vinaigre blanc. J'ai mis à peu près un demi-litre pour la moitié du bac. Là, je place correctement mes pots bien au fond et bien étalés pour optimiser le remplissage de l'eau. Donc voilà, je vais remplir à peu près à la moitié du bac et pas plus, quoi. Donc je retire les pots cassés. Donc ça. J'avais tendance à garder les pots qui étaient un peu fendus et tout ça, mais quand on arrose, l'eau s'échappe du pot et ça n'arrose pas la plante, donc autant les jeter. Ça sert à rien de vouloir trop recycler. Donc maintenant, là, je vais remplir un seau d'eau claire. Donc c'est pareil, j'aurais pu rincer chacun de mes pots en prenant le jet, en l'arrosant, mais on consomme beaucoup plus d'eau que de remplir un récipient et de faire passer pot par pot dans l'eau claire. Donc voilà, j'optimise aussi donc mon vinaigre blanc, enfin mon mélange d'eau et vinaigre blanc qu'il y a dans le bac. Je ne vais pas me contenter de faire qu'un seul nettoyage. Donc là, je rince mes pots à l'eau claire, donc qui ont trempé pendant à peu près 1 heure. Et je vais ensuite venir faire une deuxième fournée, donc avec les pots verts que vous voyez au second plan là. Donc pour ceux qui se demanderaient ce que c'est que ces pots verts, c'est une palette plastique. Donc je vous mettrai sans doute une photo. C'est une palette plastique que j'avais récupérée au bord de la route et que j'ai découpée. C'est super épais, c'est super résistant. Donc je pense que c'est ce genre de pot que je vais avoir à vie. Donc voilà, je mets ça à tremper. Donc pour ces pots verts, j'ai percé des trous au fond, bien sûr. Donc j'ai découpé et percé des trous. J'ai fait des pots individuels, j'en ai fait par deux et j'ai gardé une plaque, enfin la moitié de la palette, je l'ai gardée ensemble. J'ai pas découpé pièce par pièce. Donc là, je mets les pots au soleil pour les faire sécher un minimum pendant que la seconde fournée trempe. Là c'est reparti, donc il faut rincer. La seconde fournée, donc à l'eau claire. Donc je vais vous épargner toute la vidéo, même si j'ai tendance à faire des vidéos un peu trop longues. Là, je vais venir ranger mes pots, les empiler. Et donc on peut voir dans le bac, là j'ai fait la troisième fournée, donc bon, c'est un peu grand, donc je fais un côté puis ensuite l'autre. Voilà, tout est fini et voilà, enfin non. Quatrième utilité de mon eau vinaigrée, désherbant pour l'allée. Cette fois, c'est parti pour le repiquage des tomates. Donc, je vais vous faire voir comment je procède. Déjà, j'ai préparé mon terreau à repiquage, donc pour plantes potagères dans un gros pot. Je vais préparer mes petits godets donc en les remplissant de terre sans trop tasser. Donc, j'avais semé mes tomates il y a une quinzaine de jours. Donc elles ont mis les premiers cotylédons. Donc les deux cotylédons sont sortis et les premières feuilles commencent à peine à apparaître. Mais on va voir là, je décompacte la terre et on va voir qu'il y a déjà pas mal de racines. Donc il était temps de faire le repiquage. Donc il faut y aller délicatement. Donc on détasse la terre et on sépare
les plants de tomates délicatement. On peut voir là qu'il y a pas mal de racines. Donc là, je vais faire un trou au milieu et je vais insérer la racine du plant au fond du trou. Et je vais juste laisser dépasser les cotylédons de la terre. Donc j'enterre la tige. Comme ça permettra au plant de bien raciner tout le long de la tige. Donc il faut bien tasser tout le tour du pot. Enfin, moi j'aime bien tasser tout le tour du pot pour, quand on arrose, éviter que l'eau suive les parois du pot. Je vais vous épargner tout le repiquage. Voilà la deuxième. Voilà, je mets ça dans un petit chariot rouge à étage parce que je vais les remettre à l'abri donc devant la baie vitrée de ma chambre parce qu'il fait froid la nuit quand même. Et là, ce que je vais faire, c'est que quand j'ai fini la première variété, la première ligne là, je vais redispatcher ceux qui me restent dans le bac pour qu'elles ne soient pas trop collées les unes aux autres. Je pourrais les laisser un peu plus de temps là dans le bac à semis. Donc ça, c'est des plants de secours au cas où il y en a quelques-uns qui meurent dans les godets. Et ce qui me restera, je le filerai aux potes. Voilà, redispatch correctement. Et je vais continuer à faire les autres variétés, mais je vais vous épargner tout ça. Je vous ferai le détail des variétés que j'ai plantées après ça. Voilà, ça y est, j'ai repiqué les tomates. Donc là, il y a les tomates portugaises, là, il y a les tomates géantes, la chair de bœuf, la russe noire. C'est de la Crimée, donc c'était des graines que j'avais depuis 2016. De la poire jaune, de la black pearl et de la cerise noire. Ça, c'est une variété qui s'est hybridée entre les russes noires et les tomates cerises rouges. Donc voilà, j'ai gardé des graines. Elles sont super bonnes. J'ai quand même gardé une réserve de ce que j'avais semé. Et je vais sans doute enfiler aux potes. Et donc voilà, prochaine étape, jardin, quoi. On va attendre un petit peu encore parce qu'il fait froid la nuit. Après les tomates, c'est le tour du repiquage des laitues. Donc même principe, hein. J'ai semé en même temps que les tomates, donc dans un bac. Là, c'est un bac que j'ai recyclé. C'est un tiroir à légumes de réfrigérateur. Donc voilà, j'ai semé mes laitues dedans. Et là, je procède pareil. Donc je prépare mon terreau, je remplis mes godets, je sépare les mottes avec les plants de laitue. Donc là, c'est un peu plus tassé que les tomates parce que je les ai semées à la volée dans le bac. Donc c'est assez dense. Donc il faut être encore plus délicat pour séparer les mottes et ne pas arracher trop de racines. Même si les laitues tolèrent. Ça repart très bien, même si on arrache quelques racines. Après, ce que je vous ai pas dit pour les tomates, c'est que quand le repiquage est terminé, il faut surtout arroser. De toute façon, à chaque fois que l'on plante quelque chose, l'arrosage est indispensable pour que la terre vienne bien s'agglutiner aux racines. Si les racines sont dans une poche d'air, elles pourrissent et le plant meurt. Voilà, donc ici je décompacte la terre dans mon bac et j'applique le même principe comme j'en ai beaucoup. Les mottes que j'ai enlevées, je viens repiquer un petit plant au milieu donc pour le séparer des autres. Donc dans mon bac, il y aura toujours des plants en attente d'être mis en terre. Donc je vais vous accélérer tout ça parce que de toute façon il n'y a pas grande différence avec les tomates, hein, mis à part que c'est plus serré dans le bac. Ici je vais vous faire voir de plus près quand même comment je procède. Donc même principe, remplissage du godet, le trou au milieu sans trop tasser.
On insère les racines dans le trou et je viens par-dessous appliquer la terre sur les racines et je tasse tout le tour du pot pour éviter qu'à l'arrosage l'eau ne file contre la paroi et n'arrose rien du tout. Quand tout est repiqué, je viens placer dans ma serre de fortune que j'ai fabriquée. J'avais du plastique alvéolaire, bon il est opaque, mais bon, c'est mieux que rien. Donc j'ai fabriqué une petite serre rapidement, parce que j'ai toujours pas de grande serre, c'est en prévision, ça va attendre un peu. Donc voilà, je replace tout ça dans ma serre de fortune, en attendant d'être mis au potager. Voilà, je voulais finir cette vidéo en vous montrant une petite astuce que j'utilise. Donc quand j'ai plus de godets pour repiquer mes semis, j'utilise un tube PVC de 100 de diamètre, 100 mm de diamètre, que je coupe dans la longueur pour faire une gouttière. Ou si vous avez des gouttières, on peut utiliser des gouttières également. Donc je fais des bouchons avec de l'argile du jardin, de l'argile bien grasse, que je viens compresser à chaque extrémité de la gouttière pour retenir l'eau. Donc il faut quand même bien tasser pour que ce soit bien étanche et aussi lisser tout le long du PVC. Donc c'est une bonne astuce, ça coûte pas cher. Donc voilà le deuxième bouchon en argile. Et ensuite, il reste à venir remplir de terreau, donc pour faire les repiquages. Donc, bah, même principe que dans les godets, hein. Ensuite, on fait des trous et on plante ces laitues. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donc, je vais répéter ce que je dis dans toutes les vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est bon pour le référencement des vidéos. Abonnez-vous si c'est pas fait, partagez, voilà. Et en tout cas, je vous dis un grand merci. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et ça, c'est génial. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des suggestions. Enfin, je suis ouvert à tout et je prends le temps de répondre. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!